sindika busolo na busolo to mesana ko ba mwana mboka oska sila asabo ngo mungamba na bino pona ko bino mai makolika na mboka ya Kongo na busolo to zawa na na kosala musala penza na busolo elongo na bino to kosala penza makambo kitoko pambate biso nde ba ya bino bino pe ya biso to sito mesana kibonde ko na biso mota ko kata zate mwana mboka oska sila mesana bongo ko pesa bino basango na ndenge ya busolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka onskashila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp za wana pona kobenga na za wana pona bino bino pe boza wana pona biso natondi bino botondi pambate na confiance obo pesa tindika busolo esika oyo tolbaka penza mambia busolo na bomesana to mesana penza kubeta makambo ya busolo lelo penza tokolobela busolo na ngambu ya lisanga ya ba UDPS o babenga ki bapanzi sango pona kopanza sango pona koyebisa na bandeko o bazala kana lisanga UDPS ete UDPS eza lisanga moko etambola kana mibeko eza lisanga moko elandaka maloba ya batote elandaka makanisi ya batote lokola mibeko se tikala na mikanda bazana posa banungunungu te bazana posa desordre te pamba te parti eza na pouvoir il faut ko concentre il faut ko kotisa mayele nini ete bobate la pouvoir na bino o bobunde na pasi na ngwana papa Simon wazali bongo mukambi to mulobeli ya lisanga UDPS papa Simon abengisaki bapandisango pona kopanza za bongo porte parole ya UDPS abengi bapandisango pona kopesa mwa tolito kozongisa bato na molongo ete lisanga UDPS eza lisanga ya oyé na babiloko na pona kosala soki ndenge nini te mibeko bango basalela ka mibeko dakiza bapesa biso papé pona kolakisa na bato pe pona koyebisa na bandeko nyonso bazoya na desordre bazoya na nungunu bazoya na kokabola bayi baite etambola kana mibeko tolanda porte parole ya UDPS bongo tuzunga déjà cette qualité là comment parviendrait-il à se faire retenir ne fût-ce que pour une session comme président de la CDP? Donc, c'est bien. Alors, il se déclare président de la CDP depuis plusieurs mois, usant ou profitant du fait que l'opinion ne connaît pas ces détails de nos textes. Alors, l'autre, maintenant il s'agit de la CEP. La CEP, c'est un organe attaché aux organes centraux pour aider la présidence à gérer les élections à l'intérieur du parti et ainsi que les problèmes de processus électoral au niveau du pays, que ce soit les élections législatives, nationales ou provinciales ou locales et municipales. L'organe technique que le parti a mis en place, c'est la CEP, la commission électorale permanente. C'est une commission de 35 personnes désignées par le président du parti toujours, mais qui, en son sein, a la liberté, a donc le pouvoir de créer ou de d'élire son propre bureau parmi les 35 membres nommés par le président. Donc, vous comprenez, si vous avez cette information-là, vous comprenez que les problèmes posés par la CEP et la CDP, ce sont des faux problèmes parce qu'ils n'ont pas qualité. Alors à ce moment-là, pour bien comprendre la suite des événements, il faut que nous passions à l'article 26, qui est souvent évoqué pour justifier ce que les amis font pour faire valoir des droits qu'ils n'ont pas. L'article 26, si vous ouvrez votre fascicule, vous allez voir l'article 26. C'est l'article qui règle l'intérim du président du parti, mais dans des cas bien précis. Il y a 5 cas énumérés pour ce règlement de l'intérim du président. C'est en cas de décès du président, en cas de démission du président, en cas d'empêchement définitif, en cas d'expiration de mandat ou en cas d'interdiction d'exercer. Alors, si vous voyez ces 5 cas pour lesquels l'intérim est assuré par un directoire, ces 5 cas-là ne sont pas le cas de figure que nous connaissons avec l'élection du président du parti à la magistrature suprême.
le président Félix Antoine Tshisekedi, président élu au congrès de l'UDPS en 2018, le 30 mars 2018, ne connaît pas l'un quelconque de ces cinq cas. Il n'est pas décédé, il n'a pas démissionné, il n'est pas frappé d'empêchement définitif, il n'a pas connu d'expiration de mandat, son mandat court encore, et non plus la loi ou quoi que ce soit n'a pas frappé Félix Antoine Tshisekedi d'interdiction d'exercer la politique. Donc, ce qui fait que d'emblée, l'article 26 ne peut pas s'appliquer dans le cas de l'intérim assuré pour Félix comme président élu de l'UDPS au dernier congrès extraordinaire. Donc, nos statuts et le règlement intérieur sont muets à ce sujet. Nous pouvons dire qu'ils sont muets. Et nos statuts, qu'est-ce qu'ils disent quand ils n'ont pas prévu une matière? Ils disent qu'il faut se référer, vous verrez l'article 31, dans les attributions de la CDP, alinéa 2 et 3, la CDP qui est censée se réunir tous les 6 mois, elle doit veiller à la situation du congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-session des congrès. Alinéa 3, veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par les statuts. Donc c'est prévu que quand il y a une disposition quelconque, une situation qui arrive qui n'est pas prévue, qui a été oubliée ou omise dans les statuts, eh bien, ce cas-là, allez voir la CDP. Mais la CDP ne s'est pas encore réunie. Comme la CDP ne s'est pas encore réunie, qu'est-ce que la présidence du parti a fait? La présidence du parti a confié un mandat spécial au secrétaire général du parti. Toute la logorée qu'on a entendue par rapport à l'inexistence de mandat spécial dans les statuts, ainsi de suite. Mais c'est un cas non dit. Et devant ce cas-là, le parti qui ne l'avait pas prévu, parce qu'au niveau du parti, on n'estimait pas que c'était un problème que le président du parti soit élu à la magistrature suprême. Mais on a trouvé une solution de sagesse dans l'intérêt du parti, pour confier un mandat au numéro 2 du parti, un mandat spécial, afin de libérer le président du parti qui est considéré en mission du parti au niveau des instances nationales du pays. C'est nous-mêmes qui avons, c'est le parti qui a élu, qui a donné mandat à Félix Antoine Tshisekedi de postuler à la magistrature suprême. Et nous avons battu campagne. La campagne a réussi. On a arraché le poste de président de la République. Alors, est-ce que a-t-il fauté pour avoir combattu pour la magistrature suprême, pour l'intérêt du parti? Je ne pense pas. Le parti ne pouvait pas le gratifier en le frappant d'interdiction pour avoir le contrôle du parti pendant que son mandat continuait à courir. D'où la sagesse a conduit la présidence du parti à confier un mandat spécial au numéro 2 du parti. Alors, toujours le bon sens, le secrétaire général, qui est censé, qui, par les statuts, gérer au quotidien le parti, devant jouer le rôle du président avec plein pouvoir, selon le mandat spécial, ne pouvait plus, en même temps, être le juge et juge est parti. Il fallait bien sûr qu'il libère le poste de secrétaire général de manière à pouvoir jouer pleinement le rôle d'arbitre du président du parti par intérim. C'est ce qui a été fait en bon sens. Ce n'était pas prévu par les statuts. Ça fait maintenant une jurisprudence qui sera soumise à la CDP, à sa première session, dès qu'elle est convoquée, comme c'est consigné dans les attributions de la CDP,
la CDP se penchera sur la question pour entériner cette jurisprudence qui fera école par rapport à la manière dont le parti résout ses problèmes. Et je vous dirais que des situations analogues avaient déjà été connues par le passé. En 2007, le président du parti, le président national à cette époque-là, Étienne Tshisekedi, a connu des problèmes de santé. Il a dû rester longtemps, plus de 3 ans, sans revenir au pays. Il était en Belgique aux soins. Le parti n'a pas convoqué un directoire. Le parti a été, à ce moment-là, géré par le secrétaire général, qui, par moment, arrivait à faire un petit voyage en Europe pour essayer d'aller rencontrer le président du parti, afin d'obtenir de temps en temps quelques orientations. Mais le parti était de tout le temps géré par le secrétaire général. Et ça, c'était avant le premier congrès. Cette jurisprudence-là de la maladie du président a permis que les modifications qui ont été apportées au premier congrès ont tenu compte de cet élément-là. De sorte que on a dégagé le président pour dire que le président, il peut être tenu informé, mais la gestion quotidienne du parti doit reposer sur le secrétaire général et ses adjoints. Alors, nous sommes allés aux élections en 2011. Je me souviens que pendant l'attente de la proclamation des résultats, le secrétaire général de l'époque, qui était Jacquemin Chabani, et moi, qui étais toujours à la communication, information et médias, nous sommes allés voir le président pour savoir qu'est-ce que nous allions faire maintenant que lui devait devenir président de la République, qui allait assumer la présidence du parti. La question a été posée par Jacquemin, dans le sens de se voir justement octroyer cette succession-là. La réponse du Sphinx à l'époque, c'était non. J'aurais toujours besoin du parti. C'est une question à régler. Déjà, en 2011, Jacquemin Chabani est vivant. Posez-lui la question, c'est lui parmi les gens qui font les troubles. S'il peut se rappeler de ces jours-là, on était à 2 ou 3. À aller voir le président pour lui poser cette question-là. Et la réponse qu'il nous avait donnée, nous sommes rentrés sans ajouter une deuxième question. Donc, le président du parti, élu président de la République, évidemment, du point de vue de la Constitution, il n'est pas en mesure de suivre l'activité du parti, étant donné qu'il est au-dessus de la mêlée. Mais la machine politique qu'il a élue, ou qu'il a fait, ou qui a conduit le peuple congolais qui a présenté au peuple congolais, c'est l'UDPS. L'UDPS ne peut pas se couper ou couper le cordon ombilical du président de la République. D'où cette disposition-là stratégique de l'intérim, président intérimaire. C'est une approche nouvelle, non dite dans nos statuts, mais comme la matière non dite est à gérer par la Convention démocratique, cette bonne sagesse sera prise en compte. Souvenez-vous encore que par le passé, lorsque notre parti était soumis aux pressions de la dictature, où le débauchage était monnaie courante, l'un des premiers présidents du Konda Walumanisha a été débauché et nommé gouverneur par le pouvoir à l'époque pour décapiter l'UDPS. Parmi les autres fondateurs, le fondateur Ngalula Mpanagila a été débauché pour devenir conseiller politique du président Mobutu. Devant ce danger-là de débauchage, rappelez-vous, dans la magie imaginaire des dirigeants de l'UDPS, on avait créé un directoire à 4 présidents. Un monstre qu'on appelait monstre à 4 présidents. Comment ça? Un parti avec 4 présidents, c'est comment ça? Mais c'était une stratégie politique
pour mettre fin au débauchage, à la décapitation du parti. Le parti doit veiller à sa survie. Quel que soit le temps qui arrive, les réponses que le parti donne aux problèmes qui lui viennent ne sont pas des réponses administratives, c'est des réponses politiques. Elles doivent être comprises dans leur aspect politique plutôt que dans les considérations d'ordre administratif. Nous ne sommes pas une société commerciale, nous sommes un parti politique, et surtout un parti politique de combat. On adopte des statuts ou des postures qui permettent au parti de résister au vent et aux tempêtes. Voilà, monsieur de la presse, quelques lumières que nous avons jugées utiles à vous donner pour démontrer que la crise qu'on prétend être à l'UDPS n'existe pas. Au niveau de la présidence du parti, si nous prenons les attributions de la présidence du parti, c'est l'article 3. Les attributions, on les donne ici comme attribution du président du parti. Il représente et engage le parti conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. C'est lui qui va rester en justice, qui supervise et coordonne le fonctionnement des activités du parti. Mais il y a qu'un endroit où cela est dit, la présidence du parti. Voilà, article 22. La présidence du parti, exécutif national du parti, est l'organe de représentation, de décision et d'orientation de l'action du parti, de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti. La présidence du parti, y compris donc le président. Donc, quand le président n'est pas là, s'il y a un problème qui surgit, des gens bien intentionnés saisissent cet organe-là pour poser un problème de manière à trouver des solutions. Ils ne s'en vont pas dans un bar ou dans une terrasse commencer à crier que non, voilà, bon, nous maintenant nous décidons que désormais c'est tel article qui doit être mis en application. Mais vous l'avez décidé par vous. Ce n'est pas un rôle qui vous est dévolu. Il y a un organe attitré dans les statuts pour rendre compte ou pour régler telle ou telle situation. Vous n'avez jamais saisi l'organe en question. Vous allez faire des déclarations dans la presse. Bon, comme la presse n'était pas avant outillée de ces éléments ici, elle a sûrement manqué des questions pertinentes à poser à ces déclarations-là pour couper l'herbe sous les pieds à ceux qui cherchaient à abuser de leur bonne foi. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel et je me mets à votre disposition pour les questions. Le 26, quand vous le lisez, prenez votre fascicule avec moi. En cas de décès, de démission, nous sommes ensemble. Oui. En cas de décès, démission, empêchement définitif, expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, donc, les cas sont là cités. Ces cas-là ne concernent pas, ne sont pas à évoquer dans le cas du président Félix ici. Il n'est pas décédé, il n'a pas démissionné, il n'est pas dans un empêchement définitif, son mandat n'a pas expiré et la justice non plus n'a pas interdit d'exercer. Donc ce cas-là, par rapport à nos statuts, ce cas d'être élu président de la République n'est pas prévu chez nous ici comme un motif de fin de mandat de président du parti. Donc d'office, on n'applique pas cet article parce que ce n'est pas concerné. La mise en place du directoire là ne vient pas parce que c'est en cas de, comme le 2 n'est pas là, comment vous allez-vous appliquer l'article qui vous dit dans quel cas il faut l'appliquer? Ce n'est pas en cas de décès. Félix est bien vivant, si vous ne le savez pas. Il n'a pas démissionné. Donc, tous les cas évoqués par l'article 26 ne sont pas dans la figure que nous sommes ici. Voilà pourquoi je ne suis pas allé au directoire d'un mois là. Parce que ce n'est pas le cas. Tout simplement. Le cas est tout simplement non dit dans les statuts. Voilà ce que je vous ai dit. Maintenant, la deuxième partie de la question. Pourquoi est-ce que... comment est-ce que M. Wakwenda s'est retrouvé avec une décision? Mais je vous ai montré l'article concernant la CDP.
la CDP, je vous ai cité les membres de la CDP. Monsieur Wakwenda se retrouve sur une décision de nomination comme personnalité représentant une des provinces, à raison de 5 membres par province. Il est parmi les personnalités, pour son cas, de l'Omami, puisqu'il est de l'Omami, il est parmi les 5 représentants de la Lomami à la CDP. Or, la gestion à l'UDPS est fédérale. Les structures de gestion de l'UDPS sont les fédérations. Lomami, c'est une province qui a plusieurs fédérations. Le pouvoir à l'UDPS est fédéral. Vous comprenez là où... Alors, c'est pourquoi je vous dis que, bien qu'ayant été désigné comme membre de la CDP, mais il est dans une catégorie qui ne peut pas accéder à la présidence de la CDP, parce qu'il n'est pas fédéral. Je ne sais pas si c'est clair. Donc c'est ça la raison. Il est bel et bien sur la liste des gens qui ont été nommés comme représentants des différentes provinces. Et cette liste-là, qu'il fait circuler, elle comprend 55 personnes. Il n'y a pas que lui. Comment lui deviendrait président à parmi les 500? Donc, pour désigner le bureau de la CDP, on le fait à chaque session. Et c'est pour 6 mois. Vous comprenez? Donc la réponse est celle-là. C'est à tort que M. Akoun a fait croire qu'il peut être président de la CDP. On a bien que yo n'ingo zaliwana yo kakayango, balo bakaboy. Mboka zope la moto. Moi nazana fièvre. Okosungana ni liboso. Mboka to mwana. Mboka. Eliniko lobanini. Priorité ezalaka na makambo. Basala kana makambo ezali plus urgent, ezali ko menacer existence. Ya bato ebele ke likambo mutu moko. Il y a eu des perspectives dans la boîte, dans la boîte, dans la banque, dans la boîte, dans la boîte, dans la priorité. Si je suis allé à la boîte, je vais éviter ceux qui répondent à la boîte, je vais éviter ceux qui répondent à la boîte. Tu as un exemple, quand on a un président de la ville, tu as dit que le président Etienne Tshisekedi, le 1er février 2017, normalement, congrès, il fallait quota. Congrès saoudien, il fallait quota 30 jours après. Mais est-ce que la situation à Mikolowana, n'est-ce pas que la dictature est paille? Nous autres, nous sommes tous les gens qui ont été, beaucoup de gens qui ont été, beaucoup de gens qui ont été, beaucoup de gens qui ont été. Est-ce que c'est là qu'il y a tout ça, le congrès, tout le monde qui a été, tout le monde qui congrès, il y a quota une année après. Il n'y a pas de congrès. Il y a condamné qui que voilà, non, pas les personnes qui sont dans 30 jours. Il y a un macambo. Il y a un petit avant qu'on ait un macambo. Il faut savoir prioriser les choses. Il y a un macambo. Il y a un banda to banda. Lutte, il y a démocratisation à RDC. Il y a un macambo. Il y a un balai, je crois. Il y a un libosso. Ceux qui vous rappelez, il y a un médiateur. Ah oui, oui. Bon, vous avez dit, Moutoumoko a soigné mon sous-souté, hein? Dans ma camboine. Moutoumoko a soigné mon sous-souté. Ben, médiateur, ceux qui basali ko kanisa, tant que mon sous-souté, batou basoigné, yamona, batou basako yokanate, ils ont problème entre batouté, ils ont problème de yako mettre en place ba structure ya parti. Nandenge, il y a Boigna. Donc, les Ali, les Kambote, que Batbaswanaki, beaucoup de Nisabango, Nani a Swanaki Nanani. Ils ont été. Le problème, les Ali, c'est la compréhension, il y a texte juridique entre Nakati Nabiswao, infirmier Bazali, médecin Bazali, agriculteur Bazali. Bah, donc, misala la misala, ba formation kiliki, ba avocat pe bazali, ba juriste pe bazali na question. Moutna ndenge na yako comprendre. Texte mokwana. Tala ba église de Botama et belé de Nicolas Bible mokwana. Mais, na texte na biso, zalika ndenge mokwana.
mutna mutaza ko benda musina nene ko la musina nani ya elephant oya benda isire ukatane katani mais problème est l'idée de la compréhension ce qui bandeko baza la boto si ya koto ça les organes en place parce que statutairement ce sont les organes en place qui ont la charge de conduire le parti ce que tous si organisé yo au moni le problème s'est posé na yo mbalamoko aucun terrasse bandi au piolo donc aux allez net que considérer mutwana te si que ya ko résoudre problème ndini parce que le niveau est aillé, problème moins les alités. Yon ne osant la problème. Au lieu de pousser la pémé la moto, au long de la malili, yo ok, au télémalakat, océan, au grand cirque de l'an, l'océan dégossit sa malili. Les alités, causant un cigare qui ne peut poser problème, ou bien poser le problème de mauvaise manière et à un mauvais endroit. A combattu avec l'UDPS. Beaucoup de monde a combattu avec l'UDPS. Les membres du parti ont combattu avec l'UDPS. Mais le parti a confié la charge, comment on dit ça en termes de nautique là, la barre, le gouvernail est confié à une équipe. C'est cette équipe là qui est chargée d'envoyer le gouvernail à bâbord ou à tribord. Vrai ou faux? C'est l'équipe-là qui a la barre, le gouvernail. C'est cette équipe-là qui envoie à gauche ou à droite. Donc, c'est elle qui a cette charge-là dans son mandat. On lui demande de compte en fin de mandat. C'est comme ça, non? Quand on le confie à quelqu'un un travail, bon, amenez-nous à tel port. Mais si lui, il fait le, comme on dit en termes, hein, le cabotage, il va sur telle île avant d'avoir... et qu'il vous amène à bon port. Votre rôle, c'est d'arriver à bon port, peut-être dans les temps impartis. Mais le gouvernail est entre les mains de ceux qui conduisent. Maintenant, si vous êtes passager à bord d'un bateau, et que vous êtes tout le temps vous voulez être en contradiction avec le capitaine de bateau, qu'est-ce qu'il va vous demander de faire? Oui, il va vous demander de prendre une pirogue, de vous débrouiller, lui va aller avec le bateau tel qu'il prend ses responsabilités pour l'amener à bon port. Parce que là, la tâche d'amener le bateau à bon port, vous êtes à bord du bateau. Si vous n'êtes pas d'accord avec, nous le faisons ici sur la route, un taximène qui roule à tombeau ouvert, si vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de conduire, voilà, arrête-toi ici, moi je descends, continue ton chemin. Le gouverneur est entre les mains de quelqu'un. Vous vous refusez que lui conduise le bateau. Vous n'êtes pas le capitaine. Maintenant, lui va faire quoi avec le gouverneur? Qui vous le donne pendant qu'il n'est pas encore arrivé à bon port. Donc là, c'est... Mais la concertation, ce n'est pas amener ceux qui ont le pouvoir, les amener dans un bar pour parler du parti. C'est vous qui êtes dehors, qui venez au parti, posez votre problème, on vous reçoit dans les installations du parti et on vous donne la réponse. Ce n'est pas ça. Est-ce que le parti doit quitter ici, le siège ici, que nous avons acquis après mille et une difficultés, pour aller traiter des questions du parti dans un bar ou dans une terrasse? Ces gens-là, sont-ils déjà venus ici? Prenez l'exemple des pères fondateurs. Quand ils ont créé l'UDPS, ils ont créé l'UDPS avec un bic. Ils ont commencé par écrire la fameuse lettre de 52 pages qu'ils ont adressée au dictateur pour qu'il sache qu'est-ce qu'il réclamait. C'est au regard de la réaction du dictateur qu'ils sont arrivés à évoluer comme ils ont évolué là. Est-ce que ces messieurs-là peuvent vous montrer une lettre qu'ils ont adressée à la direction politique posant un problème de manière à le résoudre? Ils ont voulu faire une épreuve de force contre l'autorité établie. C'est un défaut. En ce moment, il a des problèmes de discipline qui l'ont mis un peu en indisponibilité. C'est lui le porte-parole que nous remplaçons momentanément. Il est membre de la présidence. Il ne peut pas aller poser le problème en dehors.
S'il a un problème, mais il vient à la réunion du conseil de la présidence pour poser le problème. Dans aucune réunion, on l'a entendu ouvrir la bouche ou faire insérer un problème de tout ce qu'il raconte dans la presse. Mais c'est même étonnant et même... bon, pour rester courtois, c'est impensable. Que vous quittiez l'endroit où il faut poser le problème, pendant que vous êtes membre du Sanhédrin, si je peux dire ainsi, et vous allez dans la rue poser le problème de l'Église. Il devrait convaincre ses collègues dans la réunion de la présidence. Il est membre de la présidence. C'est un secrétaire national, chef du département, chargé des élections et du suivi du processus électoral. Donc il a, c'est lui qui est au niveau de la présidence, qui chapeaute la CEP, ou du moins les rapports qui viennent de la CEP. Donc s'il n'a pas pu poser le problème au milieu de ses pairs, et qu'il tente d'aller évangéliser le reste du monde. Dans sa langue maternelle, on dit que quand tu veux faire un chant, on commence devant la case. Alors, sa case, c'est la présidence du parti. Lui va commencer à défricher un chant en plein forêt. Qui verra qu'il a commencé un chant? Il s'est perdu. Bon. To sepeli mingi lelo lokola mokolo ya yambo oyo biso awa bapesi biso mwa mosala ya kozala porte-parole ya UDPS na ngonga muke mbala yambo tokutani na bino bato ya lapanzi sango pesi biso esengo pe lokumu na ndenge bondimi koyanola na mbela na biso ntina ya bokutani ayaki liboso tokutana toyebana toyeba ndenge nini tobanda kosala tobanda okutana mwa mikolo mingi mwa ebele mbala ebele ke par le passé na nsima nde faletu na lakisa bino mwa ba article na kati ya statut na règlement intérieur ya UDPS oyo ekopesa bino nzela te bato ya mitema mabe to bato ya mayele mabe batungisa bino te na lokuta parce que bazali koya na presse koloba makambo ya lokuta bazali koevoke batexte oyo bino boyanango na maboko te batangeli bino mwa songe ya article boye sans kolakisa bino badisposition contraire te. Yango nalobaki te mpona bato bakosama lisusu te esengelaki nasala baextrait ya baartikle oyo yali clé na makambo oyo akoleka sika na kati ya parti mpona koarme presse ayeba koyanola ayeba kopose bato wana mituna ya ntina oyo ekokweyisa bango na lokuta na bango mpo makambo ya koloba ke boyokani ezali te na kati ya UDPS ezali makambo ya lokuta. UDPS ezali kofonctionner na kati ya ba organe na yango bato bakosala mobulu baa na kati ya organe te wana kati ya organe te soki wana kati ya organe te kende na cellule de base na yo esika ovandaka tuna président cellulaire asalisio na makambo okoyoka te soki oyali moto ya kati ya organe moko boye songolo na kati ya parti kende na organe na yo wana poser mituna na yo ozali na yango organe na yo soki ekokomela direction politique to nini organe ekoma ezalaka bongo na bato bayebi organisation ya parti ezali te ke motu yo moko obimi boye to bosangani na balinga mibale misatu bokei na kati ya esika ya komela masanga bokomi kopiolola mpona kopanza sango mabe ya parti bokoloba te crise ezali na kati ya parti parti ezali na baorgane centraux oyo ezali kosangisa nyo ezali kosuperviser nyonso organe wana moko te yali koswana na baorgane de base donc crise ekokuta epai wapi crise ezali te parce que bafédération nyonso soki mbela euti na niveau national ekiti na bafédération bafédération bazala koyoka yango soki mpe bango bazala na kokoso bazangaka te kotinda mikanda epai na organe central notamment présidence ya parti mpona base wabiyana na ntango ya maponami bato banso batindaki bakomo na bango bamanda intérieur mpona basala liste électorale ya parti esalamaki bela awa na présidence ya parti
et ça m'a gagné la carte à barter. Donc, pour le bac, il y a des pêches pour la réalité, les alliés le couta. Beaucoup bac, bah, moté ma moto moto, né, bas alliés courir la moi, bibonga, mouke, mouke, tout bois, moi, bah, avantage, ou bah, si bah, moni, mais bah, l'ingé, le bango pour l'été. Bas alliés qu'on va entraîner, bah, l'ingé, la macamoua, ma bé, tandis que intention, la bango, elle est moussou. Le rôle à biso, tout couper la macamoua politique, tout ébi, qu'au sosola, maé, le mabé, ou alliés, si maya. Il s'allait là à Batu. Il y a des Sirani, il y a des mais, la Bouania, Oyo, Tata Etienne, la Tigela Bisso, tout aussi, tout Timbe, la Bango, tout Evi, et Sirani, il va aller au Luka pour Bévisa. Bango, tout Tieli, Bango, moi, Barrière, on a pour Baye, Bako Katsango, Malamouté. Parti, la Bisso, Moussala, la Yangona, Tango Oyo, Ezali Yako Sunga, mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, na musala na ya mandat ya président ya République. Ona kosunga ye, esengeli tango nyonso tozala pembeni na ye. Ona toye ba kopesa ye, o azali na kosa, comme soutien moral et politique, ona musala na ye kosala. Yo ya koluka mayela kotia mutu moko ayebi, touti, toyebe pa ya outite, aya kotia barrière entre parti na. Na président la biso de l'unité. Biso lingi kozala se na simaya Antoine Félix Tshisekedi awa ko constitution le bika koza la président la parti te ton limi yango koza li constitution na biso. Mais biso parti to tikali se la mosala ya kosunga ye na mosala na ye ya président de la République. To lingi ko tia barrière entre ye na biso te. Nde li kamoza na se wana o bati belingi le bango malamu te. Biso to ali simaya Pachi Beto. Donc bitumbanyo so wana mandat, yo le vie qu'on dit mi Pachi Beto. Si vous avez un mandat là, vous allez vous. Pendant que statut n'a vu ce pessin zéla ya kobongisa, oh c'est un kobongisa. Donc, maïe le mabé wana tout si to yebi yango to barré yango de l'ambalamogo. Et go sale maté. Et go tika la go sale maté. La preuve, talakaka, oh moutu ya mandat, oh vous allez vous contester. A le vie boya na stade. Pour fêter l'anniversaire de la partie. Là, c'était quand même un stade. Est-ce que vous avez un stade un stade de martyr. Là, c'était quand même à ta morte. Pour la ligne, pour battre, on va éviter stade ouana. Le président a d'intérim ouana. Azali Moutouya, Fachi Beton. Ou Azali Natine, Azali Fachi Beton. Kabound, Azali Fachi Beton. Augustin Kabou Azali, Fachi Beton. Simon Adrien Kalengazali, Fachi Beton, Fachi Beton, mille fois Fachi Beton. Ndeli Kamoya Motuya, Yangouana, Fachi Beton. Parti, UDP Azali, Fachi Beton. Ti, la 2028, Fachi Beton. Sima Togoeba, on a causé la Jésus-Christ, ce qui est au salon des Nîmes. Mais Ti, 2028, 23, 28, Fachi Beton, Fachi Beton, Fachi Beton. Voilà, autre le bien. Tolandi Bongo, porte-parole, ya UDPS, Papa Simon, Waza Bongo, Moulobeli, Penza, ya UDPS, la Kisibiso, no Lengenini, Lisanga, ya UDPS, kou Kotambula. Nga pe na kou Baksaboe, na bande konyon so bango yi bateke bango, binonde bo tupoza na pouvoir, bo bate la, eloko bo zui na pasi, bo bo sana marcho bo tambula katena masasi, bo bo sana pasio bo monate, pona kozwa kaka ki bo kondyoyo. Bozu bokondi nan bosali atambula mibalete ba misusu bakoye ba komo yana makanisi ya ko bebisa makanisi ya ko longola mibeko kotia o soki bolongoli mibeko bokoka kotambusa penza lisanga na ndenge sengeli te fo kotia mibeko likolo ya mesa pamba te mibeko nde sala ka bokasi ya bato mibeko nde sala ka bokasi ya lisanga tokomi na suka na kopesa matondo mingi na biumbu ya zaki sima kamera na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne papi kelina refin kisombe pe na pesi lisusu matondo mingi na bandeko ba pesa ka mwa makanisi na bango na espace na biso ya tindika bosolo na pesi na mama Charlotte Ndenga mama social mama ya bana na pesi yo mbote Moïse Kazadi na pesi mbote na États-Unis na pesi su mbote na Chief Chipamba na pesi susu matondo mingi pamba te Bousala Kaete,
makansi to ba ide tambola boy pona za na pona bino so bomuni etelika eloko mungu eza mwa mbilinga minga na kende place boy na kosala oyo bino bolingi pamba tena zalaka wa pona bino tango na simba ka micro pona koyebisa ka bino basango na busolo tukumi na suka tukutani mbala sima.